Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà une nouvelle vidéo qui vous permettra de voir la chanson La Javanaise de Monsieur Gainsbourg que nous allons essayer d'améliorer avec les accords que vous venez d'entendre justement ici. Donc on va commencer par la grille de base que je vais vous afficher tout de suite en dessus. Et puis on va jouer un coup et ensuite voir comment on peut l'améliorer en changeant certains accords par d'autres ou en rajoutant des accords. Commençons tout de suite. Donc la javanaise, c'est une valse. Trois temps. On va commencer Do. Donc je vais faire juste les accords basiques avec une petite basse simple. Sol Do, vous aurez certainement remarqué que c'est 1, 2, 5, 1. Ensuite, depuis le Do, on va aller sur le 37e. Ensuite, montée, Fa, Fa dièse diminuée, Do, La, Ré, Ré, Sol. Voilà, jusque-là, ça c'est le morceau de base. Vous pouvez vous exercer déjà à faire ça, même sans la mélodie. Ensuite, c'est vrai que c'est déjà sympa en soi parce qu'on peut, faire du blues dessus. On aimerait bien avoir des harmonies un peu plus jazzy. Donc maintenant, si on reprend les accords mais qu'on veut les améliorer, le début sera pareil. C'est au moment où on va faire ne vous déplaise que ça va changer. Alors faisons avec la mélodie cette fois. Ici, au lieu de partir sur un Do, on va partir sur un Sol mineur 7. Et du coup, on va faire un 2-5. En fait, on va faire un 2-5-1 parce que, effectivement, avant on faisait Do, Do 7, Fa. Et on peut se dire très bien que vu qu'il y a ces trois accords, Do, Do, 7, Fa, et qu'on arrive sur le Fa, ça veut dire qu'on pourrait effectivement, au lieu de faire 5, 5, 1, faire 2, 5, 1, vu que le Do est la quinte du Fa. Donc, Sol mineur 7, Do 7. On peut jouer un Fa de base, mais ce qui donne une couleur encore plus jolie, c'est de jouer une quinte augmentée, suivie de la septième, et suivie de la sixte. Donc je refais.
encore un coup, donc. Ensuite, on va faire la montée. Et puis, on va faire avec ses deux doigts. Donc... Et là, au lieu de faire un mi, on va faire un... Si mineur. Qui va retomber sur le Mi. Et là aussi, on est dans du 2-5-1. Donc 2-5, à la place de faire tout sur le Mi, on va faire... Si je reprends. Avec l'accord à la main gauche. Ici on joue un Fa, mais on peut aussi, ça c'est un choix, on peut aussi très bien faire un La mineur. Donc au lieu de faire... Ce qui donne une autre couleur. Il faut savoir que si je fais un Fa, la quinte et la tierce et la quinte sont les mêmes notes que la fondamentale et la tierce de La. De plus, le Mi en question, c'est la majeur 7 de Fa. Donc, jouer ça et jouer. C'est deux accords très semblables et c'est des accords qui peuvent donc se substituer. Peut-être que je ferai une vidéo à l'occasion sur justement les substitutions d'accords et dans quel cas on peut le faire et par quoi. Pour reprendre. On en était donc à ce passage. Pour la montée sur le Fa, on va faire une petite différence, c'est que au lieu de faire le Do, donc au lieu de faire ce Do, on va aller sur Si bémol. Et on va faire un accord un peu bizarre. En fait, qu'est-ce que c'est pour un accord? C'est en fait un sol dièse avec une quinte augmentée sur un si. C'est un La normal, et puis ici, si on joue le Si bémol, c'est une neuvième diminuée en fait. Ça, c'est la neuvième du La. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, neuvième du La, neuvième diminuée qu'on fait plus bas, mais c'est la neuvième diminuée du La. Donc si je refais la montée, donc là on a bien un joli Ré septième, 9,
9 même, ré 7e 9. La 9e de ré, c'est mi, hein, comme toujours, c'est toujours un ton au-dessus, mais de l'octave du dessus. Et puis là, on peut toujours rajouter, faire ce sol avec une... avec une neuvième diminuée, donc la neuvième de sol, c'est la neuvième diminuée, la bémol. Alors on va refaire depuis le début. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, et dans tous les cas, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous, n'hésitez pas, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.